formation des aciers. Oui. Donc on fait des coupes spéciales pour faire des pièces destinées à l'industrie, enfin des pièces mécaniques destinées à tout type d'industrie. Et, donc, nous avons de l'inox, de l'acier, etc. Donc on fait de la transformation ici en Algérie. Justement, les pièces mécaniques, les pièces de rechange, etc. Donc, on est en train de développer la sous-traitance, surtout dans le domaine... domaine des pièces détachées, c'est lié, ou les mécaniques, c'est lié. Exactement. Nous avons beaucoup des opérateurs qui vont faire la réalisation des investissements dans ce domaine-là. J'espère qu'il faut être dans les délais en termes de qualité. C'est ça. Là où le des fois, la qualité n'est pas والله يبا احنا ما نديروش سيدير لا بياس فيني نديرو لا بياس سيمي فيني دونك je pense dans la pièce semi finie le problème de la qualité et du délai aussi ne se pose pas donc c'est juste المشكله عندنا في لا بياس فيني لا بياس فيني دونك on ne fait pas de la production, on fait juste de la transformation. La matière première, c'est de l'importation. C'est de l'importation, exactement. Donc la matière première, elle est importée et la transformation, elle se fait ici en Algérie. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, l'inox, non, il n'est pas fabriqué en Algérie. L'inox, nous avons un projet, mais il n'a pas démarré. Inch'Allah. Inch'Allah, il y a un projet. Nous avons un projet. Nous avons un projet.